fait, l'aventure, elle a duré qu'une journée, en fait. Elle a duré une journée entière, en vérité, l'aventure. Là, c'est le soir. Putain, en fait, ça a été rapide. tout ça en une journée. Oh, putain. Il perd pas son temps, lui. Il est pas comme moi. Oh non. Oh non, pas ça. Par pitié, pas ça. Regarde. Quand tu marches, les plantes se poussent. Alors, il y a un mec, il regarde ça, il dit « Oh putain, regarde, Uncharted 4, quand tu marches à côté des plantes, les plantes se poussent. » Bah oui, mais en fait, ça le faisait aussi dans Uncharted 1. Donc, ce que tu dis n'a aucun intérêt. Allez, salut. Salut, t'es trop con. Les mecs avaient 10 ans d'avance. Ils avaient 10 ans d'avance. Ils étaient déjà dans le futur, les mecs. Ils étaient dans le turfu. Oh putain, c'est chiant. J'en ai un devant moi, un derrière moi. À croire que c'est une retournante. Hein. Il est où l'autre? Ah d'accord, il est là. D'accord, ça va être difficile. Putain, il y en a un juste là. Il est mort, fini. Non, 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 non! Non! Non, putain! Ah, le fils de pute! C'est bon. Il est mort. Ok. C'est fini, Drake. T'es mort. Oh, je voulais tellement le faire, putain. Je voulais lui tirer pendant qu'il me lance la grenade. C'est tellement jouissif de faire ça. D'accord. Attends. Ah, plus de casque. Doucement, je peux le faire. Je peux le faire. Je l'ai pas eu. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Eh merde! Je l'ai pas eu. Ah putain! Merde, non, je l'ai pas fait de headshot. Je l'ai pas fait de headshot. C'est pas grave. Bon. Ok. Y'a pas un autre sniper quelque part? Oh putain, génial. Je me débarrasse de lui. Ça c'est fait. Ok, d'accord. Il y a un autre copain ici. Vite. Ah voilà, ça c'est fini. On est vraiment... On commence à être vraiment à la fin du jeu là. Attention! Fils de pute ici. Putain. Attention. Génial. Je vais mettre là alors. Attention. Allez-y. Il vise Sully.
C'est bien. Et comme s'il est immortel, je peux pas crever. Ça ne fait pas partie du plan. Allez-y. Ok, on se calme, on se calme. On attend que Nathan se régénère. Décolle-toi du mur, s'il te plaît. Voilà, merci. Ce mec est juste à côté de toi, c'est pas bon pour se planquer. Non, attends. Ouais, je m'en fous. Ah bah. Faut qu'on les arrête, celui, ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas comment, mais cette statue a décimé cette colonie. Et elle a anéanti les Allemands. Pardon ? Pas le temps, allons à l'église. Pas le temps, allons à l'église. C'est tellement cliché, putain. Pas le temps, allons à l'église. Faire les aventures. Enfin, à tuer des gens, surtout. On s'amuse plus à tuer des gens qu'à faire des aventures. Faut dire, ils nous tirent dessus, mais quand même. Bon, tu me diras, avec Lara Croft, on elle passe son temps à tuer des animaux. Mais en vérité, c'est plus logique, quoi. Je veux dire, t'es dans un coin reculé, en pleine jungle, tu vas pas tomber sur une bande de mecs qui veulent te tuer. Tu vas plus tomber sur des animaux sauvages. Allons à l'église. Pas le temps, allons à l'église. Mon cher Milou. Mon cher Tintin, allons à l'église. Mon cher Capitaine Haddock, allons à l'église. Ah oui, Capitaine Haddock, d'accord. Si je comprends bien, Nathan c'est Milou. Nathan c'est Tintin. Sullivan, c'est Capitaine Haddock. Et Elena, c'est Milou. Pas le temps, allons à l'église. Ah, il y avait un trou là, maintenant il n'y a plus. Il y avait un passage, maintenant il y a, tout s'est écroulé. Ça n'a pas de sens. Alors c'est pas terminé, il va y avoir encore une tonne d'ennemis qui vont venir et ils sont obligés de se cacher ici normalement. À moins que non, je sais pas. On verra bien. Pas le temps, allons à l'église. En fait, l'église est où déjà? C'est ça l'église? Ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi tu fais indice alors que... Oui. Merde, y'en a partout! Recule, Sully! Fais chier! D'accord. Mais tu fais chier. Tu peux plus nous échapper! Attends. T'es mort! Aïe. Voilà, genre un de mort. Ouais. D'accord. Deux de mort. Oh putain, le snipe! Ah, headshot. Il est où le snipe? D'accord, le snipe. C'est fini? Non, je déconne, je sais que c'est pas fini. Le v'là! Ok. Je le vois pas. Il est où ce putain de snipe? C'est bon, je le vois. Voilà. Ah ouais, d'accord, il y en avait un juste en face. Attends, petit snipe. Ok, bien. Ok.
est bon. On va tester avec. Attention! Oh, je l'ai eu. Attention! Putain, j'ai toujours pas tué. En avant! Il a plus de munitions! D'accord. Attention! Ça fait quoi, cow-boy? Je la vois. Ah merde. Quel con. Putain mais... Amenez-vous. Il est mort. Fais chier. Quoi, c'est là? Allez-y. Ça te sauvera pas. T'es mort. Il a découvert. Ça pourrait être à découvrir, je suis à découvrir. Putain! Planquez-vous! J'ai plus de snipe en plus. T'es pris, Drake. Ok. T'es foutu! T'es mort! Ouais, super. Failli l'avoir! Boum! T'es mort! Ça. Éliminez-le! J'ai failli l'avoir! Non mais t'es pas sérieux toi. Attention. En avant. Allez, bouffe ça. Go. Nom de Dieu. Mais putain mais... J'ai été sauvé par cette enculé de Sully. Eh mais c'est moi qui joue, c'est toi. Bon par contre j'allais vraiment te faire tuer. Ça rend le jeu encore plus facile si les PNJ, enfin c'est les coéquipiers si je puis dire, même si en réalité c'est moi qui joue, bordel de cul, c'est pas à lui de tirer sur les ennemis quoi. Il peut faire semblant pour faire croire, ouais, mais c'est moi le joueur quoi, merde. Par ici Sully, il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. Mon dieu. Putain, je déteste quand ça fait ça. Mais sans lui, j'avoue que j'allais me faire buter, quoi. Wow. Mais j'aime pas quand ça fait ça, quand même. Putain. C'est pas l'ordinateur qui joue à ma place, bordel de cul. Bon, tiens, il va tous les tuer. Moi j'aurais plus qu'à me frotter les mains et à faire dodo. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Attends, si j'ai mis le jeu en mode difficile, c'est pas pour jouer en mode assistana. Hein? D'accord. J'espère que j'ai été clair. Alors si tu recommences ça, Sully, c'est pampan cucu, hein. C'est gros pampan cucu. Attention, Sully. Attention, je rigole pas. Attention, là, je vais sévir. Non,
Alors voilà, j'aimerais faire du cinéma. Non. Non mais j'aimerais vraiment faire du cinéma. Je veux être acteur de cinéma, je veux faire du... Non. Mais si vous voulez, vous pouvez faire du jeu vidéo. Du quoi ? Jeu vidéo. Oh non, c'est nul. Bah, cassez-vous alors. Oh non, d'accord. C'est quoi comme jeu vidéo ? Uncharted. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une espèce de Indiana Jones-like. Ouais, d'accord. Bon bah merci. Mais vous êtes sûr que je peux pas faire du cinéma ? Non. Bon bah je vais faire du jeu vidéo. Par contre, pour faire ce jeu, faudra porter un costume ridicule et avoir des petites boules sur le corps. Vous foutez de ma gueule, là. Ah non, c'est ça le jeu vidéo, c'est ça le futur du cinéma, mon gars. Ah, c'est ça, pour moi, pour un con canard. Après toutes ces années, on m'aurait dit que je serais content de jouer un personnage de jeu vidéo. Bah là, mon gars, je vous aurais dit, mais t'es malade. T'es un grand malade. Jamais j'aurais cru ça, quoi. C'est l'acteur de celui-ci... De... Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi ? Il est maudit, c'est pas possible. Oh, Nate, nom de Dieu ! Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. Ah, c'est l'acteur de Victor Sullivan qui a dit ce genre de truc. Si, il pensait qu'un jour qu'il aurait kiffé jouer un personnage, un truc comme ça. Il a pas dit exactement mot pour mot ça, mais voilà. Il a dit, il y croyait. C'est quoi ce délire ? Bon, c'est clair qu'avoir sa gueule, les jeux vidéo, il en a un peu rien à branler. Hein. Je pense que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est je sais pas. Mais c'est pas les jeux vidéo, ça c'est sûr. Non, c'est juste un acteur, mais bon. Un acteur qui a fait son trou jusqu'à là. Des fois, tu te dis, comment ils ont réussi à venir jusqu'à là, quoi. Je parie que beaucoup d'acteurs se sont bousculés pour dire « Je veux jouer Nathan Drake, je veux jouer l'acteur Sullivan, je veux jouer Nathan Drake, je veux jouer Victor Sullivan. » C'est pour un jeu vidéo. Bon, ben moi je vais rentrer chez moi. Ma soupe elle est chaude. Faut que j'aille à la surface. Moi je crois que je vais aller faire caca parce que j'ai mal au ventre. Moi faut que je paye des factures, donc je veux bien jouer Nathan Drake. Je m'appelle Nolan du Nord. Je veux bien jouer ce truc à la con. Faut que tu portes une combinaison. Non, tu te fous de ma gueule. Non, pas de combinaison par contre, si, c'est obligatoire. Non, pas de combinaison, si, c'est obligatoire. Non, je mettrai pas ça hors de question, c'est obligatoire. Non, je mettrai pas ça. La seule personne qui est vraiment enthousiaste pour faire ce truc, c'est cette petite pute, la blonde. Elle est vachement enthousiaste, elle veut le faire le truc, elle veut devenir Elena Fischer, elle veut porter une combinaison, ça change pas grand chose, puisque les gonzesses portent des trucs qui leur moulent le corps, alors que les mecs, ils ont pas... En général, ils portent pas des trucs qui leur moulent le corps, quoi. Et là ils sont contents parce que... Parce qu'elle va pouvoir porter un truc qui lui moule le corps, disons que ça fait pas trop de différence pour elle. Et elle est enthousiaste, mais elle est contente. Par contre, pour le quatrième, elle est moins enthousiaste. Bizarrement, tu sens qu'elle est moins... Elle est moins à fond dedans, quoi. Alors là, elle fait la promo, mais bon... Elle a moins la patate. Alors que dans le premier, on sentait que la meuf, dans la promo, on sentait qu'elle était à fond dedans, quoi. Ouais, c'est trop cool, c'est trop génial, c'est génial, c'est... Et puis dans le 4, ouais, c'est... Ouais, je vais rentrer chez moi, j'ai envie de dormir. Là. Et en plus, je dois jouer dans une série à la con qui s'appelle Raven ou Aven, je sais pas quoi. Je savais même pas que c'était elle, putain. J'ai vu la série, j'avais même pas très clair que c'était elle. Ah, tu sais, tu me fous une blonde à la gueule, une blonde plutôt mignonne. Je pourrais pas distinguer une blonde d'une autre blonde. Hein. Enfin, une blonde canon d'une autre blonde canon, parce qu'il y a aussi des blondes moches. Hein. Bon, ça, je peux les distinguer. Ça arrive. Mais une blonde mignonne d'une autre blonde mignonne, bah pour moi, c'est à peu près pareil, quoi. C'est la même chose, quoi. J'arrive pas à distinguer, c'est deux bombasses, quoi. C'est surtout ça. C'est une bombasse, une autre bombasse, et puis c'est tout. Y a pas à torter du cul.
Si elle aurait une sale gueule, elle serait vraiment très très moche. Là, j'aurais fait, ah ouais, la blonde très très moche. Ok, mais c'est pas le cas. J'ai mal au ventre. Ah, celui-là, il allait m'échapper. Il allait m'échapper, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, quoi. Il y en a forcément que j'ai loupé. Parce que c'est pas possible d'arriver à là, à 44, alors que je suis presque à la fin du jeu. Ouais, non, c'est mort, c'est la fin. C'est fini. Vous devriez pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant. C'est magnifique. De toute beauté. Je n'avais rien vu de tel auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Observe bien. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, cette chose a exterminé toute une colonie. Tu sais pas ce que tu fais. Faux. Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait. Carguela, est à toi. Cuidado. Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Levantenlo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, ce n'est fidèle au poste. Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre.
là-bas. En avant. L'abri. Il est en jeu. Ça risque d'être long. T'es un homme mort, Drake. T'es mort. J'ai ces armes de merde. Arrêtez-le! Hey! Merde! Il a aucune chance! C'est depuis le début. Bloquez-vous. C'est un homme mort, Drake. Sors de là. Feu. Montre-toi, salope. Mettez-le. Ok. Ah, mais si tu tires sur ton pote, ça va pas te faire. Alors, merde. T'as quoi, cowboy? T'es en jeu. Il m'a eu. Bien joué. Lâche pas des yeux. T'es un homme mort, Drake. Putain! T'es mort! Te tiens! T'es cerné! Allez, allez, allez! T'es mort! Da-d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 a-
été pris en piège. Mort. Il est là-bas. T'es au piège, Drake. C'est fini. Mort. Non, t'es pas sérieux, toi. Quoi, il me tire dessus? Il est mort! Bah, il est où? C'était encore un mec avec lui. On est à Rio. Putain, mais qu'est-ce que j'ai dans la gorge là? Oh, j'en dirais que j'ai un animal mort dans la gorge. C'est dingue ça. Ça bouge. Ça c'est leurs vacances. Eh, j'ai une petite musique des vacances que j'ai passées à Rio. Vous voulez écouter? On la met à la fin de Uncharted? Ouais! C'était la fête. Il y avait tout un tas de transsexuels, c'était génial. Les transsexuels brésiliens, j'ai adoré ça. Merde. Oh merde, je dois tout recommencer. Non. Ah bah non, c'est cool. Non. Je t'ai pris au piège, Drake. Attendez-vous. C'est fini. Merde. Dispersez-vous. Et voilà. Tue-le. D'accord. T'es mort. Merde.
Il est où l'autre? Ah, il est mort. Il est hors jeu. Je pouvais plus me cacher. Je te tiens. Ah bah c'est la fin hein. Il est pris au piège. Je te tiens. Il est au piège, Drake. Butez-le. Je m'en charge. Le voilà. On va le perdre. T'es pris au piège, Drake. Allez. Et voilà. Ah, je crois qu'il y aura un trésor caché ici, mais non. Attention, les jeux Naughty Dog, tu les torches, allez. Enfin, les jeux Uncharted, tu les torches une fois, après. Comme The Last of Us. Tu torches ça une fois, t'as plus envie d'y rejouer. Hein. Ça, c'est des jeux popcorn, hein. Même The Last of Us. Hein. Vous pouvez plus vous planquer. Ah, c'est du QTE. Elena. Merde, quoi encore? Je me souviens plus de ce qu'il faut que je fasse. Je me souviens plus de ce qu'il faut que je fasse, j'avoue, là, je suis complètement... D'accord. Décidément. D'accord, j'ai compris tout. Je te tiens. Oh, Nathan, qu'est-ce que tu fais? T'es un homme mort, Greg. T'es à moi. Voilà. Allez. Merde. Là on est dans du cliché, mais les bastons sont trop ridicules. Ouais, il m'a foutu à coup de pied. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis taré. Je suis complètement taré. Ouais, des bastons ridicules, mon gars. D'accord. Ouais, c'était débile. C'est pas grave. Je te tiens. Allez. Merde. Allez, ça va? Oh, Nate!
Ah ouais, sauver le monde, vaincre le mal. Normal, quoi. Ah, bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Salé. Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé. J'ai trouvé un bateau. Mais on a déjà un bateau. Oui, un gros bateau. Moi, je préfère celui-là. Celui était vraiment incroyable. Je l'ai niqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Je suis désolé pour ton article. Oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. T'inquiète pas pour ça. Christophe Bellestrel était là dès le premier épisode. Je pensais qu'il était là à partir du 3. Bon, de toute façon, il est pas là au... Je sais pas s'il est là au 4, avec le 4. Et voilà. Franchement, ça fait plaisir de jouer à des jeux qui sont pas longs, où tu les finis vite fait et t'es content. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait super plaisir. Parce que c'est bien les The Witcher, les Mass Effect, même si Mass Effect, j'ai déjà dit, c'est le... C'est le finir rapidement le 1, mais bon, je me comprends. Hein. Mais ça fait du bien, des petits jeux popcorn comme ça, des jeux où t'es pas à réfléchir, t'as pas à dire l'histoire est intéressante, juste le jeu est beau. L'histoire est pas très intéressante, c'est un peu comme une belle gonzesse, super canon, mais qui a rien dans le cigolo. Uncharted, c'est la même chose. C'est une belle gonzesse super canon, mais qui a pas de cerveau, qui est complètement conne. Mais on s'en fout, on veut pas qu'elle ait un cerveau, on veut s'éclater avec elle. C'est exactement pareil, Uncharted. C'est exactement au poil de cul pareil. Avec The Last of Us, tu réfléchis un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais pas grand chose, attention. Mais la gonzesse est encore plus canon. Elle est un tout petit peu plus intelligente, mais pas beaucoup. Juste un vrai kiki. Alors, vraiment de pas beaucoup, hein. Avec The Last of Us, elle est vraiment légèrement plus intelligente, un petit peu plus profonde, mais sans plus. Sans plus, encore une fois, sans plus. Mais par contre, elle est hyper canon. Et de toute façon, ça, elle devient de plus en plus canon au fur et à mesure des épisodes. Tu vois ce que je veux dire? Elle a mûri, mais elle reste toujours conne. Elle reste toujours très conne. Mais par contre, au niveau de la beauté, là, mon gars, Uncharted, Naughty Dog, c'est ça. Voilà. C'est de plus en plus canon. La gonzesse, c'est de plus en plus blonde. Blindé. Alors, dans le 4, mon gars, elle a mûri dans le 4. Elle a mûri, la gonzesse. Est-ce qu'elle est plus mûre que dans un The Last of Us? Mais elle a mûri. Et par contre, au niveau de, encore une fois, je le dis, de la beauté de la gonzesse, ça n'arrête pas. Elle devient de plus en plus belle à chaque épisode. Voilà. Sauf Helena Fisher. Elle est bizarre. Elle n'est pas spécialement canon, elle. J'aurais bien aimé voir Elena, Chloé. J'aimerais voir ce que ça donne dans Uncharted 4. Voir ce que ça donne, un visage encore plus réaliste. Ça aurait été cool. Au lieu de ça, on a Elena Fish. On a Elena Poisson. Voilà, c'est pas super. Avec Elena Poisson, c'est... Mais bon. Ah, je sais plus combien de temps il reste, mais il reste plus beaucoup de temps. Encore quelques heures avant de tâter du Uncharted 4. J'ai hâte, je passais toute ma semaine à jouer Uncharted 4 et puis je reviendrai sur The Witcher ensuite. Voilà.
Voilà. Oh, je parle pas pendant le générique. Je vais arrêter de parler pendant le générique parce que ça me saoule.